Goudou, 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 goudou. Yaglou. Bah, ça veut dire qu'on se réveille. Ah. Comment on accroche une ceinture dans une voiture? Allez, ça y est, on est parti, mon kiki. Est-ce que c'est bon, Rémi, là, pour la vidéo? Voilà. Est-ce que c'est bon? Ok, je te vois qui me suit. C'est tout bon. Bon, il y a un petit message qui est passé, là, que j'ai envoyé tout à l'heure, pour leur dire qu'on était concours sur le 27-185 qui le disturbe pour les radios guidage, ainsi que les fréquences d'appel en QSY. Voilà, notre QSY qui est parti dans notre groupe. Voilà. Et donc, ben, ça y est, direction le salon pour l'installation des aériens, pour qu'on puisse vous appeler avec, bien sûr, grand cœur, et j'espère qu'il y aura grand monde au rendez-vous. Allez, 73 à tous, 14 km 8306, Centaur 3 en mobile direction le salon. Allez, je fais retour à notre ami Dundee 33, 14 km 33 h. Rémi, à toi. Me réveille. Oh putain. Oui, et 2751 tous, voilà, tapant de 33-14 km 33-01 en route pour eux. Ben, je sais pas pourquoi je suis en route. Je te l'ai dit, le salon radio. Ah oui, c'est vrai. Voilà, ah, ces petits yeux alors. Ah, vous savez que... Puis en plus, il faut dire aussi que cet été, hein, c'est coton pour dormir la nuit avec la chaleur et tout. Ah oui, non, mais moi, j'ai dormi fenêtre ouverte, la fenêtre volée ouverte. Ah oui, mais j'ai même la maison, c'est pareil, là. Ces fenêtres volées ouvertes, là, je ferme rien. Hein. Bon alors, est-ce que une anecdote, un dossier dès le matin comme ça, t'intéresse? Allez, on y va pour les anecdotes. Ok, alors hier soir, on a mis, ou du moins l'YL a mis, le réveil a sonné. Non. Ok. Mais tu fais ce que tu veux. On vient de me dire non. Bon, ben tant pis. Ça a eu l'occasion de rigoler un bon coup, mais non, c'est pas grave. Mais tu fais ce que tu veux. Ah, l'YL veut pas le dire. Oh là 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 là. Eh ben alors, on ne saura pas tout. Ah, voilà, les dodanes. Pourquoi on appelle ça dodane, de fait? Je ne sais rien, et c'est vrai que ça... On aurait dit un dodo dromadeur. Oui, à la rigueur, mais un dodane, non. Regardez, c'est toi qui as appuyé. Attends, ah oui, tiens. Ah bah il y a des voitures qui circulent ici, dis donc. Ah oui, non mais moi depuis 5 heures que je suis debout, je te dis pas le flux de voitures qui sont déjà passées là de l'île direction le continent, là, il y a eu un flux là, c'était impressionnant. Hein. Ah parce que t'as vu ça depuis ta chambre toi. Ah mais bien sûr, moi je voyais tout moi. Bah. Tu donnais pas, j'ai pas fait gaffe, mais tu donnais pas côté port. Hein. Oui, mais depuis 5 heures que je suis debout, je voyais tout, moi. Oui, je pense avoir deviné, là. T'as dit qu'il était levé en bas. Parce que depuis en bas le parking, j'avais une vue directe sur le pont, et c'est vrai qu'il y a du monde, là, qui se balade, là, ce matin de bonne heure, là. Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Parce que vu comment est ta chambre, je me suis dit là, j'ai pas tout compris. Hein. T'es vraiment tombé du lit, toi. 5h30. Ah, mais comme tous les matins, à la même heure, du lundi au dimanche. Oh la vache, ouais, d'accord, ouais, ok, compris. Ouais. Et encore, c'est par obligation. Hein. Oui, bah oui, j'imagine. Chie. T'as vu un peu le temps? C'est le lever du soleil ou la flotte qui tombe? Ouais, mais écoute, c'est pour ça qu'il est temps de partir, enfin d'aller sur le salon, pour pouvoir installer l'antenne, parce que je pense que d'ici le restant de la matinée, on risque d'avoir de petites surprises, mais ça va se dégager, je pense. Je pense que ça va se dégager, parce que, mais enfin bon, il vaut mieux s'avancer.
Ouais, bon, déjà, avant de penser à se dégager, les nuages auraient pu penser à éviter de se couvrir. Attends, j'ai remonté ma réception là, puisque comme on est à distance ce matin là. Oui, bah écoute, pourtant, oui, il y a du dégagement là, je vois sur ma gauche. Maintenant, bah, écoute, on verra ce que ça va donner. Bon, une fois que tout sera installé, après c'est pas grave. C'est ce qu'il faut d'abord faire, c'est l'installation des antennes. Et après, bah, on sera à l'abri, donc il n'y aura pas de soucis. Oui, non, mais après, ouais, c'est sûr, hein. Ça va être juste un petit peu chiant le temps 2, quoi. Et puis attraper la ferraille mouillée, tout ça, c'est bon, c'est moyen, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça retrouve le temps d'arriver, et ben c'est bon, ça aura fini de s'égoutter. Voilà, tout à fait. Alors, ben, je me suis pas planté, moi, j'espère, parce que. Non, c'est encore tout froid. Attends, je sais plus, tiens. Si c'est le rond-point de Marraine, c'est en diagonale à gauche. Ah oui, oui, non, oui, oui, c'est ça, je continue un petit peu, oui, c'est ça. Ouais, voilà. Oh oui, je crois deviner, là, t'es passé, là, tu dois être en train de tourner, là. Affirmatif, allez, on peut, je passe par le McDonald's, la RNI. T'as pris Marraine Centre? Oh. Si, si, je prends Marraine Centre et après à la première intersection à gauche. Ah bon, d'accord. Ouais, on va se promener un peu. Non, non, c'est pas se promener, c'est... voilà. Voilà, c'est bon, je prends la gauche et j'irai après. Tout s'est mis en place. Oui, normalement c'était la première, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, c'était la première, puisque hier je suis passé par là avec le GPS. Ben, je te suis quand même pour pouvoir te repêcher quand même malgré tout. Ben. Parce que là, c'est pas du tout ça. Hein. Ah oui, non, effectivement, je me suis bien planté. Alors, là, j'ai fait le tour du propriétaire, c'est tout ce que j'ai fait, puisque je suis revenu sur la voie rapide. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, là? Alors, il te fallait prendre le... Voilà, là, maintenant, tu vas à droite. Et au feu, à droite, et la prochaine à gauche. Ah, donc c'était la deuxième à gauche, alors qu'il fallait prendre, c'est pas la première, mais je pensais que c'était la première, hein, mais tant pis pour moi, je me suis loupé. Hé, hey, pauvre pomme, haché au rond-point, je t'ai dit diagonale à gauche, toi t'as fait tout droit. Non, j'ai pris diagonale à gauche. Pour moi, diagonale à gauche, c'était, oui, en face. Parce que tu avais une route à droite, donc diagonale à gauche, j'ai pris celle qui était une diagonale à gauche. Bon, c'est pas grave, ceci c'est fait. C'est la troisième à droite. Là, j'avais pas le nombre de routes là en tête, hein. Mais bon, on s'en fout. Voilà, c'est. De toute façon, on est quand même en avance. Et. Ah ben non, hein, ça s'est pas arrêté de pleuvoir pour autant, hein, le petit détour. Hein. Non, c'est ça, ouais, tout à fait. Donc, ouais, il va falloir qu'on fasse fissa alors. Ouais. Ouais, non, mais c'est bon. Et puis en plus, pour ma part, l'antenne, bon, c'est la président Himalaya, c'est vite monté. Ça. Voilà, c'est là, c'était à ce feu qu'il fallait prendre à droite. Oui. Il y a un civis devant moi. Là. Ah ouais? Ben, que dit les appels de parc? Attends. Je sais pas s'il me voit. Là, c'est pas sûr. Hein. Et c'est quoi un civis? Pauvre pomme! Voilà. Voilà, c'est là que je vais te planter. Ouais, oui, j'ai bien compris. Je savais bien qu'il fallait que je tourne à gauche. Je prends la première à gauche, oui, c'était pas la bonne tout à l'heure.
En première à gauche, oui, mais dans quelle ville, dans quel quartier? Ah, ben dans quel quartier? C'était certainement un quartier d'Orange, je ne sais pas. Voilà. Ah non, mais ce n'est pas. On la ramène, c'est vrai, mais on la ramène. Alors, camping-car à gauche, camping-car à droite. Oh putain, oui, si, là, oh oui, il y en a partout. Il y en a partout. Il y a des antennes partout. Ben, l'OM derrière ça, mais il est sur le parking, là. Eh ben, il y a le stand frites, là, qui est déjà ouvert, H3 coups. Bon, ok, d'accord. Là, c'est vu comme ça. Eh ben, pas de souci. Ouais, ben, moi aussi, hein, je vais me mettre en long. Hein. Ok, coupure des émissions pour moi. Ah, ok.